Hey, what's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est vendredi, il est 11h et le vendredi est l'heure de notre rendez-vous hebdomadaire avec Xur. Et donc on va voir ce qu'il a à nous proposer cette semaine. Donc ça devient pratiquement une habitude, Xur ne vend pas d'armes exotiques. En revanche, il nous propose un engramme d'armes classiques de l'année 1. Côté stuff, on retrouve un nouvel item, donc les points d'immolation pour les titans, donc un item qui va vous permettre de conférer l'effet bûcher détonnant, donc en rapport avec la nouvelle doctrine du titan, et qui va vous permettre également d'augmenter votre vitesse d'attaque de mêlée et de rechargement de vos revolvers en échange de 13 pièces étranges. Pour les chasseurs, on retrouve le rôdeur nocturne passé en 280 points de défense, et pour les arcanistes, ce sera le cœur de feu Praxis en 280 également. Un engramme de casque exotique que je vous recommande fortement, notamment si vous êtes chasseur ou arcaniste, histoire d'essayer d'avoir des items exotiques de la nouvelle année. Côté rareté, on retrouve les améliorations de véhicules, les cartouches d'armes lourdes et le nouveau 3 de denier qui a été récemment patché mais qui fait toujours quelque peu son effet. L'échange de particules de lumière est toujours au programme et donc c'est tout pour ce que l'agent des neufs a à nous apporter cette semaine. Donc en gros, je pense beaucoup de titans comptant cette semaine pour les chasseurs et pour les arcas. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez encore tenter votre chance grâce à l'engramme de casque. Et auquel cas, je vous souhaite bonne chance dans votre série de décryptage. Je vous fais de très gros bisous, passez un très bon week-end et geekez bien. Ciao tout le monde!